C'est bon. Donc salut les gens, c'est Lucas, j'ai 15 ans, je suis accompagné de Tristan Coppens, 16 ans, non 17 ans, je connais même plus mon âge. Eh tu sais, mon anniversaire c'était pas longtemps donc voilà. Voilà. Aujourd'hui on va vous faire un petit scooter check. Donc on va commencer par le haut. Donc pour moi poignée Audi noire. Non, pour moi j'ai une poignée Audi noire et une poignée Phazon. De merde, ils sont pourris. Après j'ai une barre Apex de faire 57,2. Enfin, elle est petite quoi. Ouais, voilà. Elle est trop petite. Elle est tordue. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Moi une petite barre Rémi Bouchard Raptor en 62 haut et 66 de large. 66 de large grâce au bar extender. Voilà, elle était noire, je l'ai poncée comme un connard. Non mais ça va, elle est stylée là. SIS. Le mec. Cubar. Garantie à vie. Non, pas le SS. C'est la fourche. Ouais. Et voilà, super solide, grosse qualité. De. Moi, ça fait un an et demi que j'ai mon tilt. Il va toujours bien, toujours nickel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, j'ai des spacers dissidence. Change de direction tilt. C'est un spacer, les gens. Change de direction tilt. Qui va bien. Ça fait un an et demi que je l'ai, il va bien. Alors couper le blunt de la mort qui tue, bleu tout tuer, voilà. avec un intérieur, un bon jeu de direction, Apex. Et puis voilà, une petite fourche, Cubar, garantie à vie, c'est la V2. Pète sa mère, bien solide, voilà. Moi j'ai une fourche tilt Legacy. T'as dit quoi? Fourche tilt Legacy. Ah, ouais. C'est pas une arme, c'est la Legacy. Pareil, un an et demi que je l'ai, j'ai tout acheté ensemble et ça va nickel. Bah, pas tordu, rien, toujours aussi bien cette fourche. Ça fait zizir, le seul point négatif de cette... Ça fait zizir. Bah ouais, ça fait zizir. Le seul point négatif de cette fourche, c'est qu'elle accepte pas les roues 120 ni 125, c'est 110 grand max et ça fait chier. Mais bon. Voilà. Ça va? Ouais. Après, j'ai des super roues que m'a vendu Lucas. Des moi, super j'en ai roues. Plus. Les super roues Phoenix, l'arrière elle a un peu mangé, hein, j'ai envie de dire. Ah, un peu morte. T'es pas un peu mis à côté du Fisha là? Non, non, j'ai aussi mis dos. Ah. Donc moi j'ai des roues. J'ai une fichure sur mon dos. De la marque dessus. Ah ouais. Donc j'ai une roue 006 110 mm à l'arrière, elle est rouge et noire. Là j'ai une roue. D'avoir un V3 non. 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 C'est une roue noire. C'est une roue noire. Voilà. Pour je crois accompagner que c'est une micro, ça, je suis pas sûr. Le petit nouveau deck. Des familles trop bien. Voilà. AO. AO. Attends. Il m'aide, parce que moi je connais plus trop les noms. Attends, c'est le AO. Je sais plus. Ça c'est le Elliot Arnold. Voilà. Mais, le nom du deck en général, je sais plus. Voilà. Avec un beau grip, gros grain tout seul. Et un frein adapté en roue 110. Voilà. Et ben moi, le petit deck addict que j'ai payé 30 balles, je suis au top de ma vie. C'est le Addict OG en 53. On se rend compte pas de voir passer la vidéo. Mais si, mais. Non, ça bat les couilles. C'est plus de mon pote. Voilà, Addict OG en 53, ça fait plaisir, j'aime bien. Mon premier Addict, bah, je l'ai cassé, du coup j'avais trop la mort, je me suis racheté un Addict. Voilà. Le petit frère Addict plastique qui fait plaisir. Même roue à l'arrière. Les pegs. Ah oui, les pegs. J'ai un pegs French ID qui a 4 ans et un pegs blend que m'a donné Lucas il y a 3 ans. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai pas de jeu. Moi, mon petit drop test. Voilà. Quand tu tapes trop fort, il y a du jeu, mais quand tu tapes pas trop voilà. Fort. Voilà. Et on se finit sur un camion. Au clip!